Vous allez bien ou quoi? Pas mal le décor, merci beaucoup. J'ai mis tout mon amour dans le décor, vraiment. Trop beau ton t-shirt. Vous savez que ce t-shirt, c'est littéralement le t-shirt Elijah. Donc tous les humains qui vont mettre ce t-shirt, c'est mon t-shirt en fait, voilà. C'est officiel, c'est mon t-shirt. Je me le suis approprié tellement je le mets. Ça fait 2 ans que tu l'as pas lavé. Non, en vrai, je le lave à chaque fois. Eh les gars, est-ce que vous traînez beaucoup sur TikTok ou pas? Mais je veux que vous soyez sincères avec moi. Je sais pas en ce moment, genre là cette semaine, je sais pas ce qui se passe. Mais je vous jure que les gars, j'en peux plus. On me mentionne tous les jours de ma vie sur TikTok. Des TikTok en mode Miss France, Miss Turc et c'est moi. Des gens qui... carrément, il y a une trend sur moi. Je sais pas si vous avez vu. Il y a une trend sur moi. Vous êtes prêts ou pas? Première image, brunette. Donc c'est des cheveux bruns. Deuxième image, blonde. C'est une femme blonde. Troisième image, Elijah. Et il y a des likes. Genre les gens, ils sont en mode oh, vas-y, on like. Frérot, donc là en gros, il y a une putain de trend TikTok. Mais quand je vous dis une trend, les gars, on m'a mentionné sur, je sais pas, minimum 50 vidéos, frère. Et je vous jure, c'est une dinguerie. Donc là en gros, je vous explique. Si là, je commence à lâcher des brunettes, blondes, Elijah, bah ce sera juste ça en fait. Ce sera juste ça. En gros, je vous explique. Pour ceux qui me connaissent pas, il y a eu plusieurs trends sur moi. Tout d'abord, il y a eu la trend Holy Molly. Qu'est-ce que Holy Molly? Je vous explique. C'est un son qui fait Holy Molly. Et en fait, les gens dans les commentaires, ils disaient des trucs absurdes. Mais vraiment absurdes. Sur ma personne, j'ai pas kiffé cette trend. Mais bon, je peux rien y faire, tu vois, j'ai pas de pouvoir. Troisième trend, bah c'était la trend Miss France. Donc là, il y a la Miss France de cette année. Puis après, on met ma photo. Vas-y, bah ouais. Troisième trend. Brunette, blonde, Elijah. On s'en balèque, ok. Mais toi, t'as trop le. Parce que les gens, ils font des trends sur toi, frérot. Sur ton physique. Oui, frère, sur mon physique. Et du coup, ça me dérange un peu, en fait. Je veux votre avis. Est-ce que vous pensez, les gens qui font ces vidéos-là, est-ce que vous pensez, ils sont malveillants ou pas? Parce qu'en fait, moi, c'est les commentaires qui me dérangent. Parce qu'en soi, les vidéos en elles-mêmes, le truc, la brunette, blonde, Elijah, en soi, c'est pas méchant. Mais les commentaires, je vous jure, des fois, c'est. Il y a vraiment des trucs hardcore. Carrément, j'ai fait un tweet tout à l'heure, enfin, ce matin, je sais plus à quelle heure. Et en gros, il y avait une meuf, elle avait commenté. Elle avait dit un truc en mode vas-y, c'est bien la solidarité féminine. Mais par contre, Elijah, elle est vraiment éclatée. Et c'était une vraie meuf qui a écrit ça, tu vois. Mais une doudoune et un baggy, mes frères. Flambi, je te jure, peu importe ce que je vais mettre, les gens, ils vont être horribles. Hein. Carrément, dites-vous, il y a une meuf, j'ai lu un autre commentaire, elle a dit une femme, hein. Je vous jure, c'était une vraie femme, les gars. Hein. En gros, c'était sur la trend brunette, blonde, Elijah. Il y a une meuf, elle a commenté, mais c'est une actrice de cul ou quoi? Et quand je suis allée voir le profil de la meuf, parce qu'elle s'appelait Lou, je sais pas quoi, c'était une vraie femme. Genre, c'était pas un prank, c'était pas un fake. C'était pas un homme caché derrière le compte d'une femme. Les gars, je vous jure, une femme qui dit ça, je vous jure, ça m'a fait bizarre un peu. Genre, en fait, ça m'a fait un peu, je me suis dit, wesh, c'est une dinguerie en vrai. En fait, le fait qu'une femme dise, wesh, mais c'est une actrice de cul, alors que frère, je suis pas vulgaire, rien du tout. Je n'en bats les couilles que des enfants de 14 ans se les prennent j'aime sur moi, d'accord? Maintenant, vous allez me lâcher, frère, j'en peux plus! Je sais, il y en a beaucoup, ils me disent que c'est de la jalousie, mais je sais pas en fait. Elijah pied, Elijah maillot, Elijah sans lunettes, Elijah, y a quoi d'autre? Elijah holy moly, Elijah debout, y a quoi d'autre comme recherche sur moi? Elijah débardeur, ça j'ai jamais vu non plus. Elijah gros sang, mais frère, non, arrêtez frère, arrêtez avec ça. Elijah sans sourcils. Pourquoi les gens ils disent ça? Elijah sans cheveux, bah gros GG frère. Elijah trans, et je vous jure, oh, Elijah trans, je l'ai déjà vu. Il y a des gens, ils pensent que je suis quelqu'un de transsexuel. Je vais aller vous chercher ma carte vitale, les gars. Ma carte vitale, elle commence par un 2. Mais je suis pas enceinte! Vous savez, ça commence, frère. Elijah Urus. Elijah mange Urus. Bah, gros GG. Elijah cochonne. Non, ça, c'est ta mère, frère. Non, pitié. Mais je vous jure, en fait, ça me casse les couilles. Genre, les gens, ils sont trop à l'aise avec moi. Est-ce que vous avez. En fait, là, je vous en parle parce que je veux des conseils. Vous me conseillez quoi, honnêtement? Est-ce que vous pensez que je dois être plus charismatique? Est-ce que vous pensez que je dois genre terrifier les gens ou pas? Les installer TikTok, mais je peux pas, je pose des TikTok, enlève la cam. Mais pourquoi faire? Je fais comment moi après? Derrière ce riche se cache de la tristesse, force à toi, Elijah, holy moly. Eh, Samo, c'est une dinguerie d'écrire ça, frère. Mais du coup, voilà, il y a eu plusieurs trends sur moi, et en ce moment, c'est brunette, blonde, Elijah. Je vous jure, il y a un TikTok, vraiment, il a fait 150 000 likes. C'est juste la Miss France de cette année, avec moi à côté. Mais en fait, c'est archi méchant pour la Miss France, du coup. Mais je sais pas, en fait, j'ai l'impression, les gens, alors je sais pas si c'est pareil pour les hommes et tout, j'ai l'impression, dès qu'il y a une meuf sur internet, les gens, ils vont vouloir la comparer avec tout ce qui bouge. Et je trouve ça un peu triste en vrai. Wesh, on m'a comparé à Esperanza, frère. Pourquoi? Je fais des danses TikTok, moi. Si vous voulez 5000 subs, danse TikTok, je me renomme Esperanza, frère. Y'a pas de soucis, on peut si vous voulez, mais pitié. Quoi, Koubé, hahaha. Allez, hop, 10 minutes. Non, toi, par contre, toi, je le jure, c'est moi, je t'aimais 10 minutes, frérot. Non, en vrai, comment je peux faire en sorte que les gens, ils me respectent un peu, là? Soit vous allez me dire, c'est impossible. Soit je m'inscris à la boxe, frérot, et je fais des stream box. Là, je me mets devant la cam, frérot. Comme ça, je peux faire ça sinon. Sois charismatique. Menace les bébés. Oui, puis après, je finis en thread sur Twitter. Bah oui, on va faire ça, frérot. Vas-y, on va faire ça.
Et Lydia à la boxe masterclass. Vous pensez la boxe ça peut m'aller ou pas? Je pense ça peut m'aller la boxe. Je pense vraiment j'ai la carrure pour. En vrai de vrai. Je pense vraiment j'ai la carrure pour. Et Lydia elle rigole. Eh frérot sur TikTok, je vous jure TikTok c'est trop un monde parallèle. D'ailleurs je sais pas s'il y a des gens dans le chat là qui postent des vidéos YouTube ou pas. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Mais en fait là j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube il y a quelques temps là. D'ailleurs allez vous abonner à mon YouTube hein. Là j'ai posté des vidéos de fou en vrai. Ok, en gros les commentaires TikTok et les commentaires YouTube, je savais pas, mais je vous jure que vraiment la différence elle est colossale. Littéralement sur TikTok et YouTube, tu vois la différence d'âge en fait. Les femmes rendent fous les hommes, on s'en bat les couilles. Mais c'est une dinguerie d'être misogyne, frère. Et comment votre cerveau il fonctionne, les misogynes, je veux comprendre. En fait, c'est comme les racistes, tu vois. Les racistes, les misogynes. En fait, tous les gens qui ont un truc comme ça, je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut témoigner? Elidia, j'ai mis le stream à 1% de volume. Eh frère, mon micro il est ténébreux, je suis vraiment désolée. Elidia, je suis amoureux de toi. Tu serais réellement amoureux de moi. Bah, t'aurais offert un sub en fait. Bah non, mais c'est pour prouver un minimum, tu vois. Genre l'amour et tout, le love. Tu vois. Être misogyne, c'est être gay. Mais non, mais non, toi t'as rien compris, frère. Mais genre, vous voyez, je comprends pas les gens. Comment un humain, genre, c'est un humain. Genre, en soi, on a tous le même squelette. Comment quelqu'un peut être raciste ou misogyne ou qu'importe. Elidia michetonneuse. Quoi? Mais en fait, vous pensez demander des subs, c'est être une michto? Alors, peut-être un peu, mais c'est pas trop non plus, ça va. Attendez, j'ai une question. Est-ce que pour vous, accepter un cadeau qui coûte cher, c'est être une michto ou pas? Genre, accepter un cadeau qui coûte très cher, est-ce que pour vous, c'est être une michto? Oui? Non? Mais si c'est un cadeau, c'est pas être une michto? Voilà, non, ben merci beaucoup, frère. Merci, je suis pas folle. Non, il offre, ça dépend. Ok. Et si, ok. Et si c'est genre une voiture? Ok, par exemple, là, si on m'achète un Urus, est-ce que je suis une michto? Est-ce que ça fait de moi une michto ou pas? Oui. Non, mais frère. Genre là, si quelqu'un m'achète un Urus, genre je dis, oh, merci beaucoup. Non? Ah, ok. Vas-y, bah, j'ai plus qu'à trouver un Qatarais super riche si vous avez les contacts. Bah non, mais vous m'avez dit c'est pas être une michto. Logiquement, je suis pas une michto puisque c'est un cadeau. Je cherche un Qatari super riche, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour un pote. Pour un pote. Là, s'il y aurait un Qatari super riche dans le chat, il aurait drop 100 subs d'un coup. Mais bon, Urus avec un covering Holy Moly. C'est quoi un covering Holy Moly? C'est y a ma grosse tête dessus avec le son Holy Moly. Je vous jure, j'en peux plus, frère. J'en peux plus. Elidia imite Talmo. 5 subs, j'imite qui vous voulez. Sauf une actrice de cul. Hein. Mais c'est tout le reste, ça me va. Vraiment, tout le reste, ça me va. Hein. Arrêtez de m'appeler Michto, frère. En mode, j'ai sucé votre père. En mode, j'ai sucé votre père, frère. Vous arrêtez ça, frère. Jouez avec Squeezie. Bah oui, bah surtout que j'ai les contacts, t'inquiète. Là, attends, j'appelle Squeezie. Vas-y, j'appelle Squeezie, les gars. On va faire un jeu avec lui. Je sais pas s'il va répondre. Ça va, il est 20h, je pense pas que je le dérange. Allo Squeezie? Oui, salam alaikum Squeezie, ça va? Ah merde Squeezie, t'es où là? Là, je suis sur TeamSpeak, je joue à Valorant avec mon ami Bro. Ah, ok. Non mais je voulais savoir si tu voulais jouer à un jeu d'horreur avec moi. Je pique Elidia, je pique. T'as joué à Valorant, maï, Harissa. Wesh, mais c'est pas Squeezie là, si? Je crois il est occupé Squeezie les gars, ça va pas être possible je crois. Je crois Squeezie il est un peu occupé là, je crois il était en train de... Vas-y bref, il a mangé, je sais pas ce qu'il a mangé frère. Un couscous, j'en sais rien, il est pas occupé, il est occupé.